Enregistrement. Eh ben salut à tous, une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter ma moto. Un petit Bandit 600 de 96-98 avec le petit flash kéké babouille, ça c'est quand je fais des balades avec des collègues du coup pour me suivre. Petite peinture perso Sixland Rider, je peux pas vous dire mieux, hein, on l'a faite à la bombe. Bon, moi je trouve que pour de la bombe c'est quand même propre, c'est sobre. Ça fait un petit côté destroy, hein, c'est fait exprès, vous voyez, ça tient bien les petites bandes et tout. Avec la tête de mort du gros Sixland Rider. Donc voilà, petite ligne Rémus également. Elle a 87 000, je crois, kilomètres. Quelque chose comme ça, mes mères. 88 000, 52 exactement. Bon, les vidanges sont faites régulièrement. Alors c'est ce moteur-là, c'est un R-Wheel. Donc c'est les moteurs... c'est les moteurs, l'ancien moteur de GSX-R et j'en passe, c'est des meilleurs, 1100 GSX-R, donc radiateur d'huile simplement, vous voyez, c'est pas un radiateur d'eau, puisque c'est refroidi uniquement par huile, donc pas de problème de surchauffe, et il y a quand même des ailettes pour les refroidissements, celle-là a une ligne complète, petite ligne Rémus, donc elle chante, mais pas trop, elle fait pas trop de bruit, elle démarre plutôt pas mal, donc modèle à carburateur, bien entendu, hein, c'est pas les injections, c'est les 600 de l'époque, et on est en N, donc naked, sans rien, alors j'ai mis les petits leviers tranquilles, hein. Rien de bien méchant, et voilà quoi, donc les petits diabolos, il y a de l'entretien à faire, mais c'est une moto qui roule plutôt pas mal, hein. La preuve, hein, vous voyez du vlog, comment ça se passe, ça roule plutôt pas mal, ça lève en wheeling en 1, en 2, je fais beaucoup de tandem, mais voilà, donc voilà ma petite moto, alors, je l'ai renommée, hein. Je l'ai appelée le Bandit 666, elle rappelle un petit peu la tête de mort du Sixla Rider. Voilà, le petit Bandit 666. Voilà pour ma petite moto, chers amis. Enregistrement. Alors voilà, on va la démarrer. Elle n'a pas démarré depuis un bout de temps, mais... Vous voyez, elle fait un peu de bruit, pas trop, juste ce qu'il faut. Pour pas se faire arrêter par la police. Tranquille. Et puis voilà, quoi. Alors oui, en effet... Hier j'ai roulé, enfin pas hier mais avant-hier j'ai roulé sous la pluie donc elle est un peu dégueulasse. Et là vous voyez ça tient pas, hein, jamais la peinture ici, c'est dommage. Elle tient pas terrible. Mais voilà. Donc, j'ai tout repeint, les carters, bras oscillants également, tout ça. Je l'ai repeint directement sur la moto, pour info. Ça a dû me coûter dans les 25 euros. Après bon c'est un peu de temps, les caches et tout, mais c'est bien sympa, je me suis régalé à le faire. Et puis voilà, et comme je vous disais, alors c'est homologué, c'est homologué, le petit flashing, il est homologué, non. Mais disons que c'est du rouge qui flash, donc la police, entre guillemets, ils n'ont rien le droit de dire, parce que sinon, il faudrait qu'ils arrêtent également les mecs en vélo qui l'ont. Donc, ce qui est quand même pas terrible. Voilà, voilà. Et ben, là, on va attendre des collègues pour partir en balade. Donc, on va sortir la moto des garages. Tranquillou bilou. Et à la prochaine pour le petit vlog. Alors j'en ai pas mal à mettre en. Qui sont en stand-by, j'en ai pas mal à mettre. Et donc on en mettra 2-3. Et ben voilà, les collègues ils sont déjà là. Ils sont venus en force. La famille.